C'est parti pour cette cinquième épreuve. 1600 mètres donc à parcourir avec un bon départ pour Jet Parf. Into the Mystic, sollicité Into the Mystic, qui va essayer de se rabattre à la corde. Jet Parf, Global Spectrum, on retrouve Eagle's Vision pour l'instant en épaisseur, évolue African Rock et Gone Traveling, qui va se caler à l'extérieur de Global Spectrum en pleine montée. Donc l'avantage pour Into the Mystic devant Jet Parf et Dinesh Souffle qui évolue à une longueur environ. En troisième position, Eagle's Vision qui va se décaler et se mettre juste à l'extérieur. Pour l'instant, African Rock, un parcours assez difficile. Global Spectrum, bien calé à la corde. Gone Traveling à son extérieur. Les chevaux entament la descente avec donc Yanish Taka qui regarde derrière pour constater où se trouvent les autres. Devant Into the Mystic à environ 700 mètres de l'arrivée. Devant Eagle's Vision, Jet Parf. On retrouve African Rock toujours à l'extérieur. Et Gone Traveling sollicité maintenant par Akash Ocharaz. Global Spectrum va attendre, lui, patiemment l'ouverture à la rue du gouvernement. Environ 400 mètres à parcourir avec Into the Mystic qui va lancer le sprint face à Eagle's Vision, Jet Parf. Gone Traveling assez loin. Global Spectrum est à suivre en ligne droite à l'entame du dernier virage, en pleine ligne droite avec Eagle's Vision à l'extérieur qui passe à l'offensive. Gone Traveling tente de revenir à l'intérieur. Global Spectrum avec Gone Traveling, Eagle's Vision, Global Spectrum à l'intérieur. Gone Traveling face à Global Spectrum. Global Spectrum, Gone Traveling, Global Spectrum.